Hello tout le monde, c'est Thibaut Beau et on se retrouve pour la suite de Pitch Showtime. Donc voilà, alors là je suis juste au rez-de-chaussée parce que la dernière fois je vous ai dit qu'on irait dans la boutique, j'ai complètement zappé à la fin de l'épisode pour voir si on peut acheter des trucs. Oui. Ok, allez, on va se prendre ça. Non, on va pas mettre par contre. Robe spéciale sirène. Ok, hop. Spécial Kung Fu. Oh, ok. Eh ben écoutez, c'est nice. Attendez, j'ai envie d'en mettre une. Sa patineuse. Parce que, en fait, il y a un contraste bien plus. En fait, c'est à la fois plus clair et à la fois plus sombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Enfin bref. Dans tous les cas. Voilà, moi j'achète ce qu'il y a à acheter. En fait, la robe est plus claire, mais il y a un contraste plus sombre. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, mais c'est. Enfin bref. Elle est stylée et j'ai envie de prendre celle-là. Donc écoutez, voilà, et puis là on est rendu au sous-sol, on a libéré tous les étincellistes et puis eh ben on va aller vers la porte. Voilà, le pouvoir est plus puissant que tout ce qu'on a affronté jusqu'ici. J'ai peur mais on y arrivera. Allons-y, pitch le pouvoir de l'étincelle de notre côté. Donne-moi des gemmes d'étincelle, ouais. 30, c'est tout? OK. Bon. Eh ben d'accord. Allez, on va quand même laisser la cinématique. On va quand même laisser. Donc là, on va très certainement affronter Dame Syra. Ah, elle arrive pas à ouvrir la porte. Eh, j'ai bien fait de laisser la cinématique, hein. Ok, ça ne marche pas. L'étincelle est sans effet sur cette porte. Eh. Salut! Ah, ok, tous les étincellistes nous rejoignent? Et heureusement qu'il y a un moment où ils viennent tous pour nous aider. Heureusement. Vous avez maintenant besoin des esprits d'étincellistes et de notre amour pour ce théâtre. Vous avez toute notre confiance. Ah, c'est. Ok, avec le raid. Que ça va ouvrir la porte? What? What? Elle va se transformer en quoi du coup? Parce que... Ah, c'est un nouveau pouvoir encore! C'est Peach étincelliste du coup? Alors comme ça on dirait Peach patineuse. Ça serait plus Peach de glace en fait là, mais ok. Peach resplendissante. Ok. J'aurais plus dit Peach étincelliste. Nous voilà munis de la force de chacun. Allons-y Peach. On dirait un monstre. Avec sa couronne en glaçon là et comme elle flotte. Je vous jure on aurait dit un monstre. Ok. Heureusement que j'ai pas zappé la cinématique, hein, vraiment. Ah, j'aurais été dégoûté de pas voir ça, hein. Ah, puis on y va direct. Ouh. Ok, est-ce que je garde mon pouvoir là, ou pas? En vrai, je sais pas du tout. Et puis ça va être quoi le nom du niveau? Ok, le temps de chargement était plus court. Ah non, on reste comme ça. Ok. Et Peach, elle a pas peur, hein. Ok. Oui, salut. Bienvenue sur ma scène grandiose. Ouais, je t'attendais, Peach. Grâce à ton talent inestimable, tu as surdonné espoir à tous ceux dont tu as croisé la route. Sache que je vais réduire absolument tous ces espoirs à néant et créer la tragédie du siècle. Ok. Je t'ai entendu ce moment. Pourquoi ils ont fait un zoom sur sa bague? Pour terminer mon œuvre ultime. C'est-à-dire que sa bague, ça va être son point faible? J'ai besoin d'un faire-valoir, tu conviendras parfaitement. Place à la tragédie. Ouais. En scène. Ok.
Ah, avec tous ces mini-moys là. Ok. Aïe aïe aïe. D'accord, avec Peach là, du coup, je peux attaquer. Ok. Je peux attaquer comme ça. Et ouais, je flotte en gros. Ouais, ok. En fait, j'ai juste à spammer là. Hein. D'une certaine manière. Après, éviter ça là, pour pas me faire écraser. Ok. Je suis déjà mis un coup. Enfin, un gros coup, on va dire. C'est stylé, ça change du reste. Ok, let's go. Après, là, il y a ces mini-moys qui me gênent, mais... Mais bon. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon. On va rester là. Je voulais m'enfuir, hein, pour pas me prendre les flammes, mais c'est pas grave. Ça fait beaucoup, hein. On dirait... Aïe, ah... D'accord. On dirait les boules de feu que tu dois balancer sur Bowser, quoi. Genre, si tu veux tuer Bowser aux boules de feu, genre dans Mario Maker, par exemple, si tu veux tuer le Bowser géant, avec des boules de feu, ça prend 3 plombs. Mais d'accord. Ok. Ok. Ouais, c'est Minimoise là qui la protège, hein, mais... Oh, ils servent pas à grand chose, hein. Honnêtement. Ok. Écoute, on va aller là. Let's go. Waouh. Ok, attendez. Voilà. Par contre, j'ai peur que si je me prenne un de ces trucs-là qui veut m'écraser, ça me one-shot, en fait. J'ai un peu peur de ça, je vous avoue. Bah allez. C'est quand qu'elle va mourir là? Franchement, mais je vous jure, en fait, je fais que spammer depuis tout à l'heure, hein. Bah je pense que vous le voyez, mais... Ok. Encore? Je spam là, hein. Je sais pas s'il fallait spammer ou juste appuyer une fois, mais... C'est tout? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais non. Ok, je retrouve la forme normale. Nous avons réussi, merci Peach. Ça, elle est vraiment incroyable. Non. Le théâtre va reprendre son état normal. Retournons voir les autres. C'est pas fini. Voilà, non, c'est pas fini quand même. Non, je me suis dit, franchement, c'est un peu... pour un boss final, c'est un peu naze. Hein. Non, mais il va y avoir une deuxième phase. Par contre, j'ai retrouvé mon... La Peach avait pu transformer. Nous sommes loin d'avoir terminé. Nous n'avons même pas joué le grand final. Peach, mes voix sombres vont éteindre ton étincelle. Ton incessante étincelle, et cette tragédie aura lieu ici même. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Et donc? Non, mais je suis rassuré quand même, c'est pas fini. Parce que... Non, en fait... La première fois, franchement, c'est un peu naze, juste esquive, et en fait, tu spam. C'est tout. C'est juste ça. C'est vraiment... What? Où est-ce qu'on est là? Ouais. Et les autres étincellistes, ils veulent pas venir m'aider, non? Waouh, c'est quoi ça? Ok, notre théâtre, il est en miettes. Si on laisse faire Sierra, l'île entière disparaîtra et le rideau de fin tombera pour de bon. Oui, mais c'est bon. C'est quoi ça? C'est les étincelistes.
Ah non, c'est les petits, c'est juste les petits bonhommes. Mais par contre, là, là, ça fait peur. J'avoue. J'avoue, là, Syrah, elle fait peur. Dans cette forme-là. Ah, du coup, il me retransforme. Ok. Bon. Bah, je veux bien, mais... Oh, on dirait la Reine des Neiges. Ça me fait trop penser à la Reine des Neiges, là. C'est abusé. Ah ouais, elle est pitchée à nous. Ah mais elle est immense en fait, j'avais pas remarqué mais... Ah ouais, j'ai seulement vu là quand Peach s'est approchée, hein. Mais du coup c'est quoi, je vais spammer aussi? Ah non, ah oh, c'est pas les mêmes... Ok, attendez, je vais regarder, attendez, les commandes. Maintien B pour attaquer. Ah c'est tout? What? Attendez. Mais what? Mais ça fait rien. Ah, faut que j'attaque elle. Ok, mais what? Ok, let's go. En fait, faut que je l'attaque elle. Ah, faut que je lui pète son masque, ok. Parce que ça, en fait, c'est son masque là qui l'a fait survivre en fait. Ok, voilà. C'est bon? J'ai gagné 2 coeurs, donc ça va. Ah oui, puis quand elle met ça, là, moi, faut que j'esquive en fait. Ça c'est pas un truc que tu peux péter, oui. Je pensais qu'il fallait éclater les ronds qu'elle m'envoyait. Ok, nice. Ça va, ok. En fait, il y a quand même une zone assez grande pour que je puisse esquiver. C'est le temps que je comprenne quand même. Voilà, mais ça, c'est quand même un peu plus intéressant que la première phase, hein. Franchement, hein. Ok. Ok. Allez, let's go. Encore un, vas-y, si tu veux, hein. Oh là là, en plein dans l'œil. Ok. Let's go. Bon, j'ai regagné tous mes cœurs. Donc ça, c'est nice. C'est vrai qu'au début, là, je les ai perdus un peu bêtement, mais... Mais ouais. Ok. Si tu veux... Ok, non, mais... Honnêtement, entre nous, la première phase, franchement, était un peu naze. Après, c'était toujours mieux que les autres boss, là, qu'on a eu, genre le chat et puis... Et puis l'autre, là... Je crois que c'était le dernier qu'on avait eu, c'était un tigre, non un lion. C'était quand même mieux que ça, mais... Ah attendez, ouh! Ok, c'est bon. Mais ouais, franchement la première phase était franchement naze. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais à un moment, faut se parler franchement. Mais par contre, ça c'est plus intéressant quand même. What? C'est bon? Ok. D'accord, j'ai même pas vu le temps passer. Tu nous fais un petit Kamehameha là pour terminer quand même? Ah non, elle lui fonce dessus. Ok, je dois spammer. Spam, spam, spam. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je suis en train de spammer comme un porc là. Let's go. D'accord. Peach est allé dans son truc là avec le pouvoir d'étincelle. D'accord. Alors, c'est quand même stylé. La deuxième phase, là, était quand même plus intéressante que la première, de loin. Mais, ça... Pff, je sais pas comment expliquer ça.
Ah ouais, puis le théâtre est complètement démonté. Ah ouais. Ah, elle a pas blagué, hein. Mais en fait, il n'y avait pas énormément de suspense, je trouve. Genre, en fait, par exemple, dans la deuxième phase, il n'y avait pas plusieurs phases dans la même phase. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, on commence la deuxième phase. On commence, on l'attaque, on lui met un coup. Et après, vraiment, elle s'énerve ou elle devient encore plus énorme ou je sais pas. Il n'y a pas de gros suspense comme ça et un truc qui peut te faire flipper. Et qui peut, enfin, qui peut te faire stresser, quoi. Qui te met la pression. C'est ça que je veux dire. Mais ok. Mais franchement, c'était pas dur. Juste le temps que je comprenne au tout début de la deuxième phase, j'ai un peu douillé, mais ouais, c'était vraiment le temps que je comprenne. Mais sinon, après, ça allait, hein. Ok. Ok. La fin, là où elle dit au revoir à tout le monde, c'était pas une ref à Mario 64, à la fin, où Mario, il faisait pareil, il était devant le château et il disait au revoir. Je pense que il y avait y a une petite ref pour ça, mais oh, je sais pas. Mais écoutez, voilà, nous sommes au crédit, qu'on va passer, bien évidemment. La boutique a une robe spéciale en rayon. Parlez au vendeur pour en savoir plus. Vous pouvez à présent décorer le théâtre. Ah, vous pourrez relever le défi des cachettes. Parlez à l'étincelliste ninja. Vous pourrez relever les défis des boss. Regardez les affiches dans les escaliers. Ok, ça va. Il y a quand même des petits trucs en plus. Ah, ça fait plaisir. Mais on peut décorer le théâtre. À mon avis, ça va être un peu limité, hein, je pense. Bah écoutez, on va bien voir. Là. Ok, Peach, tu es là, c'est super, ça veut dire que tu as lu ma lettre. Tout le monde veut te revoir jouer. Alors, est-ce que tu accepterais de jouer à nouveau dans le théâtre de l'étincelle? Ouais. Okay, youpi, merci. Le théâtre te propose un choix plus varié, on va regarder ça ensemble. Ouais. Ok, Peach, par ici. D'accord. Ah, bah écoutez, ouais, on va aller voir la deuxième boutique du coup. Alors attendez, je suis vraiment reconnaissant de nous avoir débarrassé de Syrah. Acceptes-tu de nous aider une dernière fois? J'ai utilisé le pouvoir des gemmes d'étincelle afin de décorer le théâtre. Ah, ok, donc le reste des. Bah, les gemmes d'étincelle, moi j'appelais ça des étoiles, mais. D'accord, ok, donc le reste ça sert à ça. Ballon festif, ruban pour pilier, ok. Statue de Stella. Cloche. Ok, ah, chaque couleur, ça correspond à chaque étage, du coup. Ok, et eh ben écoutez, ouais, on va tout acheter. Par contre, je sais pas si je pourrais tout prendre là tout de suite. Parce que... Alors, attendez. S'il y a des niveaux en plus... Ah, non, ouais, je peux pas tout prendre. Ok, donc là, il me manque 15. D'accord. Donc en fait c'était ça la nouvelle boutique. Ok. Et puis lui c'est la boutique. Ouais, ok. Ok. Robe Syrah et robe resplendissante. Ok. Oh celle-là elle est belle. Non franchement celle-là elle est très. Oh il y a un effet dessus qui est très très beau. Ruban resplendissant, ruban Syrah. J'aime pas trop les skins pour elle là. Je trouve que c'est pas ouf. Mais bon écoutez. Okay, il me manque quand même des pièces là pour. Ok, ah ouais, c'est beau! Ça va, c'est beau! Ah, puis là, ils ont mis ça à la place de la porte. Ok. Mais ouais, il me manque des pièces pour acheter le reste. Mais ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Donc la prochaine fois, eh ben on continuera. Je sais pas ce qu'on fera exactement. Il y a l'air d'avoir un boss rush du coup. Il y aura des autres défis. Faut que j'aille parler à l'étincelliste ninja. Mais ouais, on verra ça du coup la prochaine fois. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du boss final. Voilà, moi comme je vous ai dit, la première phase, je la trouvais franchement pas ouf. Et puis la deuxième phase, c'était déjà bien mieux. Mais il y avait rien en fait qui te faisait monter en pression au fil du combat. Je trouve ça un petit peu dommage. Et puis en fait, globalement, le boss final, tu faisais que spammer. Spammer et esquiver. Il n'y avait pas, entre guillemets, de réel challenge. Vraiment qui te fait monter en pression et qui te fait stresser. Franchement, non. Donc voilà, je pense pas que c'est un boss final.
hyper mémorable. Mais bon, écoutez, au moins il y a un boss final. Donc c'est bon. Mais écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. On continuera la prochaine fois. Et puis voilà, ça sera super nice. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.